Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans Zelda Reboot. Non plus sur Wii U mais sur Switch. Voilà, donc du coup j'ai décidé de faire un reboot sur ce jeu qui est très plaisant. Donc voilà, et donc on est reparti pour une aventure avec Link, mais cette fois-ci sur Switch. Voilà, donc ça nous permet de repartir de zéro avec toute l'expérience qu'on a pu accumuler sur Wii U. Voilà, et en même temps, voilà, du coup c'est sympa parce que les graphismes sont sensiblement meilleurs. Voilà, donc on y va, on traîne pas. Premier épisode sur la chaîne LV888. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Ok. Alors, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse, bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Dans la sacoche, effectivement. Coffre, hein, du coup. Alors, accédez à la sacoche, équipez-vous. Nanana. C'est pas les mêmes commandes, hein, parce que la manette n'est pas tout à fait la même. D'accord. Choisir. Équiper. D'accord. Ça nous évite d'être. D'avoir froid. Je pense qu'on va trouver un pantalon, à mon avis, il y a des chances. Ouais, vieux pantalon. Bingo. Pareil, on va l'équiper. Hop, et voilà. Nous voilà habillés. On est réhabillés pour l'hiver. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, ça, pour casser ça, je peux pas. Ah oui, il faut ouvrir ici. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Ok. Eh ben moi ça me fait plaisir de refaire un reboot. Ça, on revient quelques mois en arrière sur cette série. Moi j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien. Ça me dérange pas de recommencer. Allez, ouverture, ok. Pour l'instant je note pas de grande différence sur le plan graphique, mais bon, on verra peut-être au niveau des performances, des ralentissements et tout ça. Des fois j'avais vu des. J'avais vu quelques petits ralentissements. On verra. Celle qui rue l'avait perdue.
Va. Mets-toi en route. Ok. On y va. Sauter, accélérer. J'en connais, hein, forcément. Ouais, le jeu, ouais. Si, graphiquement, c'est plus joli, hein. Moi, je note la différence, hein. C'est plus coloré, c'est moins fade, j'ai l'impression. C'est plus, je sais pas, ouais. Plus coloré, c'est l'exemple, le premier mot qui me vient à l'esprit. Ok. Bon, bah on est parti pour cette zone de départ. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, jusqu'où on va aller, on verra bien. On va avancer un petit peu dans le scénario. Alors, plateau du prélude. Ok. Branche d'arbre, ah oui. Donne un coup avec l'arme équipée. D'accord. Ouais, ça, je connais. Ouais. On va prendre les champignons, ça sert tout le temps. La manette Switch est plus adaptée à ce jeu que la manette Wii U. Je sais pas, c'est une impression. Je sais pas en fait. Ok. Pomme grillée, cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait, un petit encas et restaure l'énergie vitale. Eh, ma pomme grillée. Allez, va, ça ne fait rien, il y a assez de pommes pour nous deux par ici et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas trop dur que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps, un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Et tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. D'accord. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Que fais-tu ici? Je crois que je vais rester ici un petit moment à me régaler de pommes grillées. Elle serait très bonne même sans la placer sur les flammes, mais elle est encore plus nourrissante comme ça. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Torche. Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je veux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche. Jouer avec le feu. Mais tu es un vrai danger public, prends garde à ne pas brûler la forêt entière, la végétation s'enflamme vite. Cela dit, il y a pas mal de monde dans les environs, ça pourrait faire une arme intéressante, qui sait. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir, il faut juger son adversaire, évaluer les distances.
Cibler. D'accord. Alors on peut peut-être faire griller nos champignons là. C'est roi le gris. Champignon grillé. D'accord. Link. 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 Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Accès aux fonctionnalités de la tablette. D'accord. Ah, ça commence. Je commence. Non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas mettre le tampon. Ok, bon, on va aller guider par la tablette, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Allez, une hache. Je veux descendre. J'entends bien un bruit. Ça doit être un monstre. Là-bas. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est ainsi instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle reprenne, qu'elle se transforme. Je veux prendre les pommes. Ouais, ici, vous m'évitez les monstres. Ah merde, il m'a vu. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Il faut que j'aille derrière lui, en fait.
pas envie de l'affronter parce que j'ai. Mon arme elle est. Mon arme est très light quoi. Servons-nous de l'expérience qu'on a accumulée dans la première version pour. Pour se la jouer malin. Plus malin. Ça par terre, non, allez, veuillez insérer la tablette Sheka. Ok, tablette Sheka reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir. Effectivement, ça débloque toutes ces fameuses tours qui à chaque fois nous donnent le repère de cartes, les repères sur la zone. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu, il est vraiment chouette. C'est vraiment un jeu super chouette. On est à la tour du prélude, ok. Récupération des données topographiques. Et voilà, nous voilà dans la première zone de jeu. La carte de la zone a été enregistrée. D'accord. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Eh ben, on redécouvre hein, le scénario, tout ça, c'est sympa. Ok, bon, bah écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 1, ce reboot donc de Zelda The Breath of the Wild, donc non plus sur Wii U, mais sur Switch. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 2 sur la chaîne Vivo 58. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, salut, à la prochaine.